Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 130, et oui, déjà 130, c'est énorme quand tu le penses, sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, en fait c'est Brasidas, donc c'est le guerrier spartiate, ce qui est bizarre parce qu'on aurait dit qu'il s'était fait couper la jambe par Deimos, et du coup lui, non, c'est Barnabas, donc forcément je m'étais trompé. Parler à Brasidas. Ça me paraît bizarre que Brasidas soit encore en vie, hein. Enfin bref. Après, tant mieux, hein, s'il est encore en vie, j'ai envie de te dire, tant mieux. Si on est fou que l'on rit, employez quoi? Déployez le monde charge. Ouh. Et si je redescends, du coup, ça marche? Ok. Ah non, il va bien. He's ok. I'm feeling great. Ok. Bon, moi j'ai juste à aller débloquer le TP, 2 secondes, hein. Avoir sa jambe, ils l'ont réparé, c'est cool. Ça me paraît bizarre, mais bon. C'est la première fois que je vois ça, donc ça me paraît bizarre, mais... Ouais, tant mieux, hein, j'en ai très bien. Pas droit. Asclépion. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ah, c'est peut-être pas ça. Il est là. Voilà. Saute pas, hein. Surtout, hein. Surtout ne saute pas, hein. Ne fais pas comme, comme Zeus, là. Où elle était montée, elle avait sauté direct. J'avais du tout me retaper. Tout calme. Oh, tous les lions. The lion. Liar. Par contre, là, ça fait quelques épisodes où on n'arrête pas les... on n'arrête pas, hein. Les quêtes principales et tout, là. Flac, 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 flac. On est en mode poltagnaisé. Bah tiens, tu tombes bien, toi. Salut. Derrière toi. Bonjour. Vendre. Merci. Merci. Nous nous soulèverons. Brasidas, tu es là. Tu as reçu mon message. J'ai appris, Pompilos. Tu vas bien? J'ai connu pire, et j'ai de plus gros soucis en ce moment. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé après Pylos? Les derniers Spartiates m'ont trouvé et m'ont laissé le temps de me rétablir. Mais ta jambe? Tu as disparu du champ de bataille. J'ai été capturé et amené à Athènes pour être interrogé par Deimos et Cléon. Ils ne t'ont pas tué? Ils ont essayé. Ainsi... Léon est à Amphipolis. Quelque part. Et en armure, paraît-il. Il va se battre aujourd'hui. Il veut qu'on le voie en héros. Athènes n'a plus très haute opinion de lui après ce qu'il a fait. C'est l'occasion ou jamais, Brasidas. Il faut tuer Cléon. Si tu ne le fais pas, je le ferai. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Je suis ici pour Cléon. Restons-en là. Je croyais qu'on était des amis. Je m'attendais à autre chose de ta part. Tu as été élevé en spartiate. Tu devrais savoir ce qu'est la loyauté. Je suis quand même venu, non? Nous menons le même combat. Il te reste à le prouver. Alors donne-moi l'occasion. Nous perdons du temps. Athènes rassemble des renforts. Nous devons attaquer tout de suite. Allons-y. Malaka. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'au dernier. Personne ne se rend. C'est une punition. J'arrive. Nous offrons les meilleurs prix.
surtout améliorer ça, oui. Parce que... Voilà. C'est bon, level... Si tu veux, level 40, 33, voilà. Là, on est du 41, on a du 46, 46, 41... 39, en même temps, on joue presque jamais à l'arc. 46, en vrai, ça va, hein. À bientôt, j'espère. Ouais, ouais, salut. Pourquoi elle a sorti les armes? Qui passe ça? Ah ouais, non mais... bah, ils... Ah ouais, eux, ils ont pas le temps, hein. Ils sont là en mode... allez, on y va, hein. J'ai pas le temps. Faut y aller. Hein? Ah ouais, non mais... Salaud! Wow, ça a bien ramé du cul. Hein. Wow, j'ai pas vu. Ouais! D'accord. Oh, je lui esquive. Et ça, t'arrives à esquiver. Voyons combien de temps tu tiendras. Ok. Allô, merci. Non. Attends, attends, attends! Arrêtez de partir! Vous voyez bien que. Enfin voilà! Il y a du cochon de lait! Allez, on se pose, on se fait une petite bouffe, quoi! On est spartiates, bordel, faut manger, non? Allô? Il y a un coffre. Là, c'est la vraie bataille. All right. Ils ont tous des boucliers, vous me faites chier. C'est la deux. C'est la deux. Allez, vite. Quoi le capitaine? Quoi le capitaine? Brise, blesse, bruse, bruse, brise, brise, blesse, bruse. Il a volé. Oh, c'est pas mal. Capitaine, where are you, capitaine? Well. Hey you! Mais qu'est-ce que vous faites là? Pas la peine de faire. On n'a pas besoin de pop-bomb girl, hein. Faut taper maintenant, hein. C'est pas lui. Ouh, moi aussi je suis ici. Ah. Oh, ce petit coup de bouclier là, j'ai kiffé, hein. Excusez-moi.
il y a Michel. Oui, non, oui. On va. Il y en a qui ont volé, hein. Oui. Ah, the big boss. Oh, encore lui? Mais... Bon, non, il manque à mourir. Vous voulez la guerre ? Il va mourir, d'accord. Ah bah super. Tu prends vraiment tout trop à cœur. Non. Ah non. Ah, je vais courir avec un petit jupette. Ah oui. Abrasilas ! Mandilas ! Il ne doit pas s'enfuir. Ah ! Le con ! Malheureusement pour toi, il n'est pas trop tard. Tu peux encore nous rejoindre. Ce n'est pas à peine ici. Les discours ne te servent à rien. Ne me laisses-tu pas tranquille? Tout ça, l'homme du peuple. Non, l'homme du peuple, à point. Cassandra, je t'en prie. Aie pitié. Vous l'avez retourné contre nous. Mon propre frère. Grâce à nous, Deimo s'est élevé. Il est devenu immortel. Vous avez fait de lui un monstre. Tiens. Alors... Bats-toi à ses côtés. Apprends-lui. Tu retrouverais Deimos. Il s'appelle Alexios. Je t'en supplie. Ce monde est en miettes, Cassandra. Et nous allons l'unir. Silence, Saron. Je suis désarmé. Aie pitié. Je ne mérite pas une mort rapide. Mais tu mérites ce qui t'attend aux portes d'Hadès. Non. Ah, genoux. Je ne comprends pas. Oh. Personne n'oubliera Cléon d'Athènes. On se souviendra de... On t'a déjà oublié. De ta petite jupette. Moi, je me souviendrai de ta petite jupette. Voilà. Myrim sera ravie d'apprendre la mort de Cléon. Et Brasidas, si j'avais pu atteindre Deimos plus tôt... Pardon. Il est malheureux ? Oui, il est malheureux. Viens, montrez. Oui ! L'homme en slip. Petite jupette. Bon, pas... Petite jupette. La la la. Bonjour. Hello. Hello. Là où tout a commencé. Je sais pas s'il y avait un moyen de le sauver, mais je suis deg. S'il y avait un moyen, je suis vraiment deg. Ah, moi j'aime bien les happy end. Quoique des fois, bon, les happy end. Et dans les jeux vidéo, si on peut le faire, c'est cool.
Faudra que je regarde si on pouvait. Si on pouvait le comment dire. Le sauver. C'est pas là où tout a commencé, si, c'est là où ils nous ont jetés par-dessus la falaise. Ça fait les mollets, hein. Désolé. J'essaye de pas rigoler, mais c'est dur quand même. On parle du cheval dans Skyrim, mais Odyssey, c'est pas mieux. Hein. Elle monte des collines des fois, ça rigole pas. Alors oui, ça monte pas en cheval, mais ça monte en colline. Ah, on va monter tout en haut de la montagne. Salut. Mon enfant, tu es resté absente si longtemps. Brasidas est mort. Non. Deimos l'a tué au combat. Et qu'est devenu mon fils ? Cléon lui a tiré une flèche dans le dos. Il est tombé. J'ignore s'il a survécu. Malaka de Cléon, je vais le tuer de mes mains. C'est fait, mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille... Il ne me reste que toi. Mère, il y a une chose que je dois faire. Je dois me rendre au mont Taygetos, là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé, à me battre pour oublier. Il faut que cela cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne. Il faut que je tire un trait sur cette nuit, une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. Donc j'avais bien raison. C'était bien le mont Rastapopoulos, quoi. Bon, je viens de regarder et malheureusement, non, il n'y a pas de fin où on peut sauver Brasidas. Il est obligé de mourir. Shame. Et trace la mer, hein. Ah ouais, rigole pas, hein. Il y a une pointe. Ah bah voilà, il est là. C'est que tout a basculé. Coucou. J'ai l'impression de n'être. Ah, j'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Dame. Alexios. Et au bord du monde, une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Alexios, je t'en prie. Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure? C'était le culte. J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais mort. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ton fils. Alexios, viens.
Approche. Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous. Famille? Chez nous? Il va jeter. Il va sauter de la falaise? Ma seule famille est mon épée. Et mon foyer, le champ de bataille. Je te l'ai dit, mère. On ne peut plus le raisonner. Plus le raisonner? C'est bien ce que tu dis à ta mère. Pourquoi lui caches-tu la vérité? De quelle vérité parles-tu? Mais je suis l'élu! Celui qui a une destinée! Je vais imposer l'ordre à ce monde! Toi, tu n'es qu'une mercenaire à la lance brisée! Tu n'as pas de destinée! Tu n'es qu'un instrument! Oula! Un instrument du culte! Merci d'avoir dit ça. Depuis notre rencontre, j'essaie de déterminer ce que tu es pour moi. Il parle italien, là. Tu es une mauvaise herbe qui menace d'étouffer et de détruire tout ce que j'ai semé! Une mauvaise herbe. Il faut la déraciner. Alexios. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un lionceau pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé, impuissant, la lionne mettre mon pauvre ami en pièces. Car, chez les bêtes, une famille protège ses petits! Je t'ai aimé! Celui que tu aimes est mort! Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Ouais, on va essayer ça. Alexios. Écoute-moi. Tu es mon frère. J'ai essayé de te protéger autrefois, et j'ai échoué. Mais ça n'arrivera plus jamais. T'étais très loin pour me planter, garçon. Par contre, j'ai pas fini d'améliorer, donc si tu pouvais me filer un fragment, ça serait cool. Ne plante pas ta mère! Aime-nous tous, Alexios. Il y a des bugs graphiques, mon pote. Je sais pas si c'est par rapport à ma config ou si c'est le jeu qui a été fini à la... à la piste des bois, mais... Oh, Je sais. Ah, heureusement qu'ils avaient inventé la tâche comme dans FF7. Attends. Hein.
Mais ça se finit comme ça, sérieux? Maman, depuis quand t'as des dreadlocks? Bon, faut que j'arrête. Épée de Damoclès, plastron de demi-dieu, ceinture de demi-dieu. Il est vaincu. Le murmure. Les murmures. N'inquiète pas, on va te trouver. Et on va te tuer. Il manque lui. Ouais, allez-y. Quand je dis ça, le chat qui avait ouais. Au même moment. Bah voilà, c'est une bonne fin, je suis content. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à expliquer. Entrer dans la maison d'enfance. Oui. Il n'y a plus qu'à expliquer pourquoi on va niquer Athènes. Entrer dans la maison d'enfance. Ouais. Ça va être compliqué à expliquer à Socrate, hein. Armure d'immortel. Ouais. Ouf. Dégâts à l'arme lourde. Plus 25% de crit. 5% à tous les dégâts. Ouais, mais 25% de crit, mon pote, c'est énorme. Plus 30%. Un jour, je réussirai à lire. Plus 30% dégâts avec toutes les aptitudes. Pour moi le DT, hein. Oh, la joupette. Ok, les gants. Y'a pas les gants? Ah. Qu'est-ce que l'immortel? Héros de guerre. Mais il me filait le casque ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Je... Hein? Qu'est-ce que l'immortel? Mais il est où? Mais t'as oublié de me filer le casque? Ah, c'est peut-être l'épée du coup. Ouf. Ah. 20% d'aléadrine écrite. Ouf. Mais le casque. Ouh. Le casque. Je l'ai vendu? Non, c'est pas possible. Pardon. Oh my god. Bah... C'est con. On va rentrer comme ça, mais je trouve ça bête. Bizarre en plus. Bon, contente? Je sais que tu penses faire ce qui est juste, mais n'oublie pas les intérêts de ta famille, mon enfant. Oui. Déjà, on a sauvegardé. Si c'est la cinématique de fin, j'oublie tout de suite. Non. Oh! Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière ce masque. La compétence ne se limite pas seulement à la force. Ça, c'est ce que disent les faibles. On va voir qui est faible. Eh bien, au moins, la famille est réunie. Je vais rechercher du vin.
Tu peux me filer ton casque aussi, ça serait sympa avant de te battre. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Le casque ! Eh bien, c'était pas si mal, pas vrai ? Quand je pense que j'ai de nouveau une famille. Les voix des dieux sont impénétrables. On ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Je ne pense pas que ceci soit la faute des dieux, Barnabas. La qualité d'un pot dépend du potier, Cassandra. Oui, mais un pot, c'est facile à briser. Rappelle-toi, quel que soit ton entourage, je serai toujours là. Et les autres nous attendent à bord. D'accord, je te suis. Nouvelle partie plus est disponible. Ce mode permet de redémarrer le jeu en conservant l'essentiel de votre progression. Vos matériaux, niveaux, aptitudes, armes et équipements ainsi que vos améliorations de navire seront repris lors de la nouvelle partie. En revanche, ce ne sera pas le cas de vos lieutenants. En mode nouvelle partie, blablabla. Ok, donc c'était la fin du jeu. Nice. Nous nous souvenons. Retrouvez Socrate au cimetière d'Athènes. Mais par contre, Oh, t'as mis le casque. Mon petit casque. Comment je fais pour l'avoir? J'irai regarder sur internet. Anyway, bah écoutez, voilà ce qui était pour la meilleure fin, du coup. Dans Odyssée. Un peu gnangnan, mais bon, je suis content. Au moins, personne n'est... Enfin, à part Brasidas, malheureusement. Mais sinon, non, sympa. Sympa, sympa. Bon, par contre, pour moi, le jeu s'arrêtera bel et bien une fois que le membre du culte sera dead et qu'on aura arrêté le fantôme de Cosmos. Donc, la prochaine fois, on va plutôt essayer de les défoncer et moi, je vais aller de ce pas chercher sur internet où est mon maudit casque. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci. Savoir qu'est-ce que vous avez pensé des différentes fins. Est-ce que cette fin vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé du jeu de manière plus générale? Moi, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.